J'ai couru tout le parc. C'est le plus beau jour de ma vie. Voir mon papa porter la flamme olympique aux yeux du monde entier. C'est extraordinaire. Bonjour à tous, je suis au parc Georges Valbon à La Courneuve. Et derrière moi, vous le voyez peut-être, il y a Oumar Diémé, 92 ans. Il marche vite, c'est un ancien tirailleur sénégalais. Il vient exprès du Sénégal pour porter la flamme et le moment s'annonce riche en émotions. Vous avez couru, hein, je vous ai vu courir, je vous ai couru après. Pour vous montrer que je suis en forme. Et j'ai dit, le département de Seine-Saint-Denis, à Oumar, prêt, partez. J'ai été un peu jaloux quand même, parce que 92 ans, moi j'arrive plus à courir à cette vitesse-là. Et donc on a discuté, donc je lui ai posé des questions, je lui disais, mais attendez, mais comment vous faites être aussi en forme? Il m'a donné la recette. Bien évidemment, pas d'alcool, manger correctement. Il m'a dit qu'il faut prendre soin de sa femme et surtout, il faut être fidèle. À qui vous avez pensé? À mes enfants, surtout. Fier d'être français, parce que nous, on est nés français. On s'est engagé pour venir libérer la France, ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai des décorations, vous voyez, français, reconnaissant de la nation. Je suis français, mes enfants ne sont pas français. C'est pas normal.